Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc c'est parti pour la suite de Rayman 3 Hoodlum Havoc, l'épisode numéro 4. Donc on était. Alors on va y aller. On était dans la neige. Dans la zone de neige. Ok. Alors on sait jamais. Ok, donc c'est en hauteur. Et comment je vais faire pour monter? Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais non. Ok, donc du coup là on a le dernier. Allez, donne-moi le truc bleu là. Ma vie assez régène en fait. D'accord. OK. Faut que j'en détruise au moins un quoi, parce que sinon après je sens que ça va être l'emmerdement. Eh mais en fait je viens de remarquer un truc. En fait,
plus tu récupères de petits bonhommes là enfermés, et plus ta vie augmente. C'est moi ou je rêve? Genre plus tu trouves. Plus tu trouves de personnes enfermées, et plus ta vie augmente. C'est parfait ça. Ok. Non, ça a l'air d'aller. Parfait. Parce que tu gagnes autant de trucs facilement, magnifique ça. Alors là mon gars. Ah oui. Il tire sur le côté. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas des trucs sympas. J'ai pas l'impression, hein. Parfait. Putain, s'il y avait une porte, ça me ferait chier. Alors, là-bas il y a des trucs. Ok. Oula, c'est quoi ça? Mais là, je suis en pleine cinématique, donc... Okay.
Et c'est tellement flippant. Ok. Oh non, mais non, je suis tombé comme une merde. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors. Donc déjà, on monte. Ah oui, il y en a même un là-haut. Ok. Parfait. Quand même. Bon, lui, il va die direct. Ok. Ok, d'un. Attends, mais d'où Mais oui, mais ils sont où en fait? Attends, mais en fait, il me donne ça. C'est cool, hein. Tu veux que j'utilise pour quoi faire? Y'a pas de truc là pourtant. Là, j'ai vraiment pas compris, là. On va l'utiliser quand même, mais. Je sens que je vais me faire niquer. Hein. Ça, c'est obligatoire. Attends, mais là, c'est quand même terrible. Ah, mais en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas fouillé. Il hein. Y a plein de trucs que j'ai pas. D'où j'ai pas fouillé la zone. Ah, d'accord. Ok, j'ai trouvé. Bah, il tient vraiment longtemps. Hein. Il tient vraiment longtemps le bougre. Ok. Je vois ce qu'il faut faire. Hop là. Donc du coup... Alors par contre c'est vraiment un enfer. Ça veut dire que du coup je dois retourner là-bas. Ensuite monter tous les étages grâce au truc. Et dès que c'est ça, je dois ressauter, ce qui va me permettre donc d'accéder directement à la zone suivante. Oh, faut être rapide hein. Vif et rapide. Alors. Tac. Hop. Ensuite. Hop, saute. Tac. On passe là. Hop. Ensuite, on reprend l'autre. Hop. Ensuite, on active ça. Et moi, je vais jusque là-bas. C'est loin quand même. C'est moche un bouffon. Il y en avait un là. J'ai fait tout ça pour quoi en fait? Ok, bon, au moins on a fait cette zone. Ça c'est le principal. Mais je pensais pas que. Genre il y en avait un juste en dessous quoi. C'est-à-dire que du coup fallait juste attendre qu'il y avait le mob et du coup après hop on l'attaque directement. Ah ouais.
Ok. Paf, paf, paf. Ah oui, d'accord. Parfait. Il a rien pu faire le mec. Bah donnez que ça lui. La dèche. Ok, dommage. Ok, dans le bâtiment. Ok, ok. Salut Rayman, arrive en bas avant moi et essaie de m'arrêter. Faut que t'arrives en bas avant moi. Ouais, mais attends. Mais attends. On pouvait pas sauter en fait. Je suis complètement givré. Il va trop vite le gars. Non mais attends, il est tout là-bas, j'ai fait quoi là? J'ai pas compris là. Non mais là, il y a un bug qui va pas là. Après, ça se trouve peut-être que ça fait exactement le même bug, ce qui fait qu'il me ralentit, mais... Non mais là, comment il est... Il a trop d'avance en fait. C'est reparti pour un tour. Ah ouais, je dois être un peu en avance, c'est pour ça. Ok, et du coup ça tourne tout le temps. Jusqu'à que j'y arrive quoi. Quel enfer. La boucle. Faut que t'arrives en bas avant moi. La boucle. Mais normalement, tu sais, tu peux sauter, tu vois. Je suis complètement givré. Bah après j'ai fait un bug hein. Tu peux pas mettre le chauffage. T'es fou là, je parle même plus, je trace hein. Et avance! Oh là là. Et voilà la fin. Fin du game. Ok.
Ok. Elle était proche hein, quand même, hein. Mais j'ai réussi. Ah, c'est l'usine à Oudlum. Quel enfer. Dédé est par là, j'en suis sûr. Je l'ai eu en moi si longtemps que je peux encore le sentir. Bonjour. Vous entrez dans le quartier général de Black Lives. Température extérieure, moins 52. Hein? Température intérieure, 37,2, voire plus. Oh, elle a une barre de manger, mademoiselle. J'aimerais bien lui dire bonjour. Pas d'angoisse, mademoiselle. Oh l'enfer. On arrive. Pète tout très mal, dépêche-toi. Où est-ce que c'est celui-là? Vitreman, c'est pas poli de faire attention. Ok. Heureusement qu'il y a une auto dès que t'arrives sur le côté. Une dame. Ok, c'est quoi comme... je sais pas, y a des monstres là. Attends, on va déjà avoir lui là. Alors, droite, droite. Quand tu veux. Veuillez vous présenter. Il est boule lui. En fait, ma vie elle est tellement grande que du coup ça continue. Oh non. Il est protégé par un sorcier, c'est pas juste. Quand tu veux que je fasse là. Bon, je vais faire quoi? Je vais déjà les niquer tous là. Parfait. Vas-y, je vais prendre ça. Peut-être qu'il y aura un truc en haut à faire. Je sais pas moi, un levier ou. Possible. Ok. Oh non, dis-moi pas que ça. Mais quel enfer. Ok, donc l'autre là-haut, je vais le détruire. Oh! Au secours! Mais d'où ils sortent, lui? Faut que j'aille mettre mon matelas en position et... Attention,
Tout ça pour ça. Oh là là. Faut que je refasse tous les sauts là. Ok. Le capitaine Flamme est demandé à la poudrière. Je répète, le capitaine Flamme est demandé à la poudrière. Marrant ça. Donc à mon avis, ça doit être le mec d'en haut, je pense là. Ok, à mon avis, faut gérer genre le timing, tu vois. Là, en plus, il y a des traces au sol, donc... Ok. Voilà, faut bien gérer. Ah, attends. Paf. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Non mais faut être à combien de distance là? 1 mètre? Mais non mais... Parfait. Oh non, t'es sérieux là? Mais quel enfer! Et je crois que c'est le pire bail celui-là. L'histoire. T'as l'histoire. T'as le mec qui doit acheter. Ouais, voilà, je m'en doutais. Le mec qui jetait je sais pas quoi là. Ok. Mec de là-haut, de tout en haut, genre il bombardait tout l'univers. Ah oui, ok. Ok, je vais reprendre l'autre truc là. Alors toi mon pote, tu vas subir... Oh, c'est vrai que l'autre il est... Oh ouais. C'est vrai que l'autre il a un bouclier. Ok. Comment nous faire patienter encore du temps? Oula. J'arrive, mademoiselle. Ah, Rayman, ton ami est tombé dans mon piège et bientôt ce sera ton tour. Ok. Non, à mon avis, il y a un truc à faire là. À jump ou un truc comme ça, je pense, non? Ah, j'ai trouvé. Ok, hop, petit jump là. Ensuite... Non. Hop, là, on monte là. Boing.
Ah ouais, faut jump. Attends. C'est sérieux là? Ah mais je suis con en fait. Putain, en fait, je pense qu'il faut aller là-haut, prendre le truc et péter la porte. Je pense que c'est le seul truc, je pense. Ok. Ah bah non en fait. J'ai juste d'aller en haut en fait. Simplement. Donc là à mon avis on doit être proche du boss hein, à mon avis. J'espère. Parce que si on n'est pas proche du boss, compliqué hein. Ah, je l'ai touché ? Non. Parfait. Alors comment... Ah oui, ok. Alors, on peut aller genre là ? Non. Et là-dedans, là-bas, là. Ok. Il y a un truc à faire là. Attends, je vais aller. Hop là. Attends, mais je suis chargé là. Ok. On charge pas mal, hein. Ok. Raymond, je suis là. Viens me détacher. J'ai le choc qui monte au cerveau. Ça fait tout bizarre. J'ai l'impression de devenir plus intelligent. C'est horrible. Ok. Alors là, mon petit pote. Amis joueurs, vous serez à coup sûr établi à prendre que votre serviteur est constitué de 816 polygones. Ok, donc il faut le détruire, ce l'autre là-bas. Elle-même n'en comporte que 318. On imagine aisément ce qui fait de moi-même la pointe en matière d'évolution 3D. T'es là. Parfait.
Apprenez aussi que je suis nanti de 20 bones de déformation et de 68 animations qui donnent à mon corps une mobilité fort appréciable, aussi bien au cas de qui dure que lors des moments plus intimes. Ok, donc il va me falloir un... Oh là là, pire bail. Sale histoire encore, hein. Un bouffon, lui. Je me demande pas si j'en ai pas oublié un en fait, c'est ça le truc. Si mon corps de rêve est de les amis, la masse, avec Mario, Primate, n'allez pas croire que mon intelligence, quand on rêve, sachez en effet que mon cerveau procède de l'entrelacement d'un monde et que 21 capacités sont les réflexes de base. Ami au-dessus, André, notre chef bien-aimé, n'est pas content. Je comprends pas, moi. Tant que vous ne saurez pas tirer, vous resterez enfermé dans les stands de tir. Alors, entraînez-vous. Comment ça, entraînez-vous? Oh là là. Ah, il faut tirer sur n'importe quoi? Sans les yeux, tiens. Je regarde même pas là. Oh, mais il y a une cadence de tir. Oh putain, mais moi je. En même temps, je regarde à droite, donc je peux pas savoir en fait. Ah bon, là j'ai fait exprès là. Putain. La grille en fait. J'ai l'impression que ça va trop vite là. Allez, c'est fini. Ça m'a déjà gonflé. Hein. Là, il y en a un en plus. Oula. Ok. Bah attends, mais c'est pas ici. Je suis perdu ou quoi? Là en fait, j'avais même pas vu. J'ai juste fait ça pour pouvoir récupérer en fait les trucs après, mais c'est tout. Ok.
vous entrez dans la fonderie, l'endroit le plus chaud de Black Lantern. Oh, c'est chaud, quoi. Les services aéroportés annoncent que l'Eptis est sur le point de se garer au sommet de la tour. Au sommet de la tour, hein. Merci. En raison de l'extrême susceptibilité du dieu, nous vous demanderons de ne pas boire en sa présence. Et d'éviter de vous vérifier la température intérieure. Cette addiction. Ça fait des points gratos. À mon avis, ça doit être au sommet. Hein. En fait, il me tire dessus, mais ça sert à rien parce que... Parce qu'en fait, le soin, je le récupère normalement. En fait, faut que je le fasse de près, genre. Oh. Oh, j'ai vu juste en haut, j'ai envie de pleurer. J'ai juste vu en haut, j'ai envie de chialer en fait. Oui, d'accord. Je vais là parce que je sais que j'ai vu un... j'ai entendu un truc. Hein. J'ai entendu... Au secours. Alors qu'en fait, je suis allé là pour rien. Cool. Il y a un truc là. Ok, alors si je tombe, je pleure. Stylé la musique en tout cas. Ah, il était là, hein. Le petit bougre. Hein. Je m'en doutais. On les a tous trouvés dans le jeu, hein, j'ai l'impression.
Non, la blague. Non, non. Non, mais c'est une blague, là. Oh là là. Je l'ai trop vite, et... Ouais, mais comment, en fait? Merci. Non mais... C'est con parce que, genre, après, et en vrai, ça doit être un peu angoissant quand même d'être enfermé avec un mob comme ça. Surtout un mob comme ça avec des boucliers. Genre, avec un mec de bouclier. Et ce qui serait terrible encore, c'est d'être avec un boss comme ça, enfin un mini-boss comme ça, et être coincé avec deux mecs, deux boucliers qui protègent un mec. Ça serait terrible par contre. Ceux qui pensent encore que Rayman est plus évolué que moi, je poserai cette simple question. Avez-vous compté combien de fois Rayman a perdu la vie de la vie? Mais genre... En tout cas, forcément, plus qu'en ce qui me concerne. Vu que j'ai même pas qu'il y ait ça. L'échec. Conclusion... Genre, sur le... à l'arrière du truc, il y avait ça. Ok, mais je veux juste avant voir ici. Ah. Vous vous trouvez bonjour. Actuellement dans la salle de l'horrible machine. C'est ici que. Et la dingue, porte-moi le micro. Appelez du renfort. Empruntez les tissus de secours. Rayman ne doit pas toucher à l'horrible machine. Oui, d'accord. Je me suis bouffé là. Oh l'enfer. Des bombes. Ah.
Oh, encore le volant. Encore des bombardiers. Ah ouais, là elle est vorace là. Rapide hein. Oh ça va. Ah non. Oh l'enfer. D'accord, donc en fait ils veulent faire une autodestruction sur moi quoi. Ils savent que je suis dedans et donc du coup ils veulent me détruire comme ça. Et du coup c'est pour ça qu'on va se barrer et on va pouvoir aller dans la tour du Lepsis, c'est ça? Comme il l'indique depuis tout à l'heure. Ok. Marrant ça. Oh c'est chaud hein. Oh là, j'ai eu peur. Là. Mais enfin, il est tout seul, stoppez-le. C'est vrai, je suis tout seul. Hein. Putain, je vais trop large et du coup je tombe bêtement, mais je tombe. Et ben voilà. Oh là là. Par le pouvoir du sceptre ancestral, je t'invoque. Oh, Lepsis, semeur de nuit et père du peuple Knarren. Approche et donne-moi ta puissance.
puissance. Et ben on n'est pas dans la merde. Ok, donc là la grotte a s'effondré. Ah oui, regarde, tu es en bas, regarde d'en bas là. Quand par exemple tu montes, là on voit quoi? On voit le pic de la tour Lepsis. Donc il y a plein de choses à faire encore. On doit remonter et tout, c'est un enfer. Ah, c'est la dèche par contre niveau score. Hein. Oula, d'accord, il s'est pété. Ok, il a un bouclier. En fait, ils peuvent se tirer entre eux, genre. Attends, si je me mets là, genre. C'est des cons. Genre, ils sont tout utiles, quoi. Ok. Non mais putain. Il m'a bloqué l'anime. Le bougre. Oh là là. Bon, ça va, y'a que ça. C'est pas comme s'il y avait des pierres vertes. Hein. Alors là, le truc. Le but, c'est de tuer les petits déjà. Il donne des objets. Ok. Ok, ok, ok. Ah. Voilà, c'est lui le donneur. Trois.
Oui, tais-toi. Non, mais c'est une blague. Ok. Les deux. Il m'a chopé, je l'ai même pas vu. En fait, normalement, si tu gères bien, tu peux le toucher 3 fois. Et encore, 4 fois. Je m'en doutais, ça. Genre, tout à l'heure, je parlais de mecs qui seraient à deux pour pouvoir nanana. Et là, t'as vu? Ils sont comme par hasard deux. C'est qu'un simple hasard. Hein. Ah ouais, de toute façon, ils m'auraient pas donné... Allez, vas-y, si tu veux. Ça va me donner des points. Et puis en plus, ça va peut-être me régénérer ma vie. Hein. Okay. Attends, ils sont où les... Elle est où la pompe? Elle est où la chose? Elle est là. Genre dans le monde, on voit que dalle. Ok. Salopard. Putain, c'est un enfer. Mais je l'ai touché. Non mais c'est une blague. Je crois que c'est le pire jeu de toute l'histoire de tous les jeux, je crois. J'ai horreur de ça. Allez, casse-toi de là, toi. J'ai l'impression qu'il faut spam comme un chien. Alors il est où? Il est à gauche là? Elle est là. Non mais c'est une blague. C'est moi où je l'ai touché là. Mais d'accord. Non, 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 petit bonhomme. Allez, oui. Oh, j'ai vu des trucs en haut. J'ai vu des trucs en hauteur. Non, me dis pas que... Je m'en doutais. Ok, je les ai vus, mais je crois pas que je puisse les avoir en fait, parce que. En fait, à mon avis, ils doivent être enfermés, tu vois. Ou un truc comme ça. C'est obligatoire. Oh, reviens à l'endroit initial, genre.
C'est-à-dire que du coup, juste au-dessus de moi, il y avait un truc. Ok. Donc à mon avis, je pense qu'il y aura un levier ou un truc comme ça. Pas cette fois. Pas cette fois, mon petit pote. Oh, attends, on est où là? Ah. Bah voilà. Et là, du coup, ça, on l'avait pas tout à l'heure. Ok. Donc ça veut dire que... Oh là là, le salopard. Oh. Est-ce que je peux sauter direct là? Ouais. Plus besoin de se faire chier maintenant. Suffit juste de faire ça. Allez. Voilà. Alors, est-ce que c'est ici? Telle est la question. Moi-même ne peut... Oh. Moi-même ne peut pas savoir. Ah d'accord, donc en fait là, on va monter au sommet de la tour. En fait là, en fait, c'est-à-dire que ce niveau-là, c'est... ça veut dire c'est tour genre Leptis, quoi. Enfin... C'est ça, hein. Allez, mon petit pote. Hop. Allez. Non. Non, non, mais non, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sérieux. Oh là là. Non, en fait, j'étais tellement bien, et là... Bon, c'est quoi? Je vais me concentrer comme un malade. Et là, personne pourra m'arrêter. Comme ça, au moins, on sera bon, quoi. Alors. Hop. Tac. 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 Hop. Hop. Non, j'étais tout en haut, hein, quand tu regardes. Hein. J'étais vraiment tout en haut. Hein. Et genre, à la fin... Je me suis fait avoir. Avoir aide. Alors, paf, paf. Alors, tac. Et là, heureusement qu'il n'y a rien qui permet de faire, genre, patienter. Hein. On serait... Attends. Hop là. Ok, donc là, on était là. Non. Mais attends. Comment je fais là? Ah non, il y a un chemin là. Oh, j'ai eu trop peur. Non, en fait, je pouvais même pas taper derrière, je crois. Ok, donc lui va donner un truc rouge. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'il y a une porte derrière, donc ça serait con quand même de pas donner un truc rouge. Hop. Hop. Je sais pas pourquoi, mais ils mettent des trucs sur les côtés, à mon avis. À mon avis. Il y a un truc qui va se passer, là. Cours, Rayman, cours! Tu ne m'empêcheras pas de prendre la puissance! Oh, oui, d'accord. Il est vraiment comme ça, lui? Ok, 1, 2, 3, paf, jump. Ok. Ah, oh, ça fait transpirer, hein, ce niveau. En fait, moi, j'aime bien les petits niveaux, tu vois, simples, genre, en gros, tu tues 2-3 mobs et hop, voilà, t'as fini, là. Là, c'est limite, faut fouiller et tout, c'est... Oh, mon cerveau, il va exploser. Oh là là. Oh, il y a même des grands bonhommes dessus. Attends, mon petit pote. Je récupère ça en vitesse. Hop.
Ok, c'était mort. Hop, maintenant à toi. De toute façon, il était à moitié de sa vie, donc... Mais... Putain, et le lock... Le lock des ennemis, c'est un enfer, hein. Putain. Oh là, quand tu vois des... En fait, quand t'as des ennemis qui bougent beaucoup, quand tu dois locker un mob, c'est vraiment très 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 difficile. Rally, hein. Rally, rally, rally. Ah mais vas-y, grimpe, petit bonhomme. Ok. Donc déjà, t'as une statuette carrément du Leptis, déjà. Ok. Donc là, il va me falloir le... Ah, attends. Hop. Paf. 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 Alors. Ça, c'est quoi, ça? Hop. Un petit jump, s'il te plaît, sur le ballon. Ouah. Mais vas-y, grimpe. Ok, alors. Ça, 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 ça. Oh, c'est chaud. Hein. Est-ce qu'on peut taper, genre, là, dans ça? Non. Donc, en gros, j'ai fait tout ça pour rien. Merci, au revoir. Donc, en gros, avec tous les trucs, en fait, il va falloir que je fasse un truc qui va me permettre de récupérer en fait un pouvoir rouge permettant d'ouvrir toutes les portes. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Par contre, l'hélicoptère, genre, on a que très peu de temps hein, sur ça, en fait, hein, quand tu regardes. Tu sais, ça reste pas plus d'une minute, j'ai l'impression. Hein. C'est chaud. Oh là, oh là là, mon petit pote. Oh, oh, oh. Oh, pas toi. Pas toi, pas toi, pas toi. Alors, hop. Tac. Ah, donc là-haut, je sais qu'il y en a un. Montrer. Ok, alors du coup, maintenant qu'on a récupéré ça, qu'est-ce qu'il veut nous donner? Ok, donc là, normalement, il faut faire alors ça, ensuite tu rebondis. De toute façon, en fait, le but, c'est d'aller au sommet. Hein. Ça, c'est obligatoire, bien sûr. Tac, tac. Eh, ça me fait toujours flipper les trucs en hauteur comme ça. Parce qu'il suffit juste que tu tombes. Et là, c'est fini. Game over. Et moi, j'ai pas envie de refaire tout ça. Hein. Ah, je vous le dis. Je n'ai pas envie de le refaire. Hein. Ah ouais, tu sautes. Non. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, j'ai eu mal au cœur, là, sur le coup. Allez, mon petit pote. Allez, vas-y. Je tombe en bas, je pleure. Je vous le dis, je ne survis pas mentalement. Ok, allez. Hop. Ok. Donc, oh, il y en a encore. Oh, je pense à la fin, il va me donner un truc bleu. Alors, paf, paf, paf. Oh putain, mais il y en a combien là? De toute façon, on est au sommet du truc, hein, donc du coup, il peut que en avoir beaucoup. Hein. Putain, mais il va jamais s'arrêter. Par un gros coup là. Allez, allez, un petit peu, allez, un petit peu. Ok. Et voilà, je m'en doutais.
Je m'en doutais. Là. Là, c'est limite, on arrive au truc du boss, quoi. Là, c'est littéralement ça. Hein. Oh non. Non, non, non. Alors, paf, paf. Ensuite, hop. On monte. Hop. Alors là, mon gars. Oh, bah tiens. Roll one shot. De toute façon, on avance tranquille. Bah attends, c'est... Ouais, grimpe, voilà. Je me disais, attends, il grimpe pas, lui. Alors... Oh là, attends, attends. Hop. Oh, attends. Alors... Ok. Je vois ce qu'il faut faire, mais je peux juste analyser un petit peu les choses. C'est lequel? Donc c'est celui-là plus loin. Donc ça veut dire que je dois aller là-bas, d'accord. Ok. Hop. Oh, c'est haut, chaud. Ok. Donc là, on va arriver au sommet, on est d'accord. On est proche du sommet, d'accord. Ok. Je sais même pas comment j'ai fait pour toucher au ballon, mais... À travers les murs, sûrement. Hop. Hop. Ah ouais, mais attends, je suis obligé, en fait. En fait, je suis obligé de toucher le ballon pour pouvoir récupérer, en fait, le truc bleu. Et ensuite, ça se trouve au-dessus, un truc caché. Ok. Allez. 1, 2, 3... En fait, j'ai l'impression qu'au bout, il n'y a rien. Je me dis... Une impression, hein, bien sûr. Ok. Oh putain, mon pépère. Tac, tac, tac. Allez. On va l'expérimenter en masse. Alors déjà, pourquoi ils ont donné ça? Déjà. Oh là là là. Carnage. Ok, donc ça c'est bon. Du soin gratos. On prend. Hop. Ça, cette zone a fait un peu ramer celle-là. Tac. Non, non, la blague, non, mais non, mais arrêtez. Mais c'est quoi ce malade? C'est quoi ce... C'est quoi ça, en fait?
Putain, genre il m'en restait plus qu'un. Et à la dernière, je me fais avoir. Oula, même là j'allais Même là ça va être terrible. Merci. Non, même là je l'ai perdu déjà. Alors. Que. Ah, mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, alors lui, mon petit pote, je sais pas où t'as pop, mais. T'es fait avoir, hein, mon petit. Il ce mec qui. Oh non. Oh non, mais pas ça, pas encore. Ah bah moi je le prends, moi c'est gratos ça. Bon par contre le seul souci c'est que... C'est que je pourrais pas prendre les trucs hein. Oula. Par contre c'était assez rapide hein, genre le truc en bas... Faut que j'aille trouver les mentales. Et donne-moi ça. Quand tu veux. Hein. Hop là. Ok. Bon, il dit 57, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouveau niveau. Hey Rayman ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Je suis fou sur le frère ! Globot, ça va ? Oh, Globot ! Réponds-moi enfin ! Oh ! Ça te veut que t'aies peur, hein. J'avoue, s'il faut diriger ça, ça... Ok. André, c'est papa et Toto, on arrive. Je m'en croirais où là? Attends, mais il m'a touché, comment ça se fait? Ça va, c'est pas grave. Regarde les engrenages! Incroyable! André joue déjà au mécano! Il est précoce ce petit! Ah oui, d'accord. Waouh! Qu'est-ce qu'il est grand l'appart d'André! Les fêtes qu'on doit pouvoir faire là-dedans! André, tu m'entends? Il est vachement bien ton loft! Manque peut-être juste une ou deux fenêtres! Mon Dédé? Tout le monde dit que t'es en train d'invoquer le Tetris, c'est pas vrai, hein, dit. André, le Tetris qu'il a dit, genre. Je sais que c'est rigolo, mais il faut que tu arrêtes de faire du mal aux plus petits. Y'a la bande à Dédé qui en vient. Youpi. C'est normal qu'il y ait une structure qui m'est rentrée dedans, quoi. Ah
Alors il y a vraiment une structure qui nous rentre dedans, quoi. Reviens du bon côté. Hein. Oula! Je crois que t'as trouvé le Sunny Broyeur. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'en plus, elles sont beaux. Quel enfer. En tout cas, ça m'a l'air drôlement hygiénique, ce système. Rien ne peut passer au travers. André! André! On est là! Ok, je sais pas où ça a mené tout ça, mais... Perso, je ne le sens pas du tout. Ah. Oh là! Ah, reflux! C'est que tu es grand et fort! Où était-elle? Avec l'énergie de ton sceptre, je vais pouvoir me reproduire à l'infini. Oui, Dédé. Ah oui, d'accord. Oui, Dédé, tu sais pas dire autre chose? Non, Dédé. Ok, bon bah là, en fait, c'est sûr que là, c'est le boss, parce que à chaque fois, même dans Dark Souls, hein, c'est pareil, que ce soit avant ou après, à chaque fois, quand par exemple, il y a beaucoup de soins au début, c'est soit pour se régénérer, pour faire un combat plutôt bien. Donc ouais, donc là à mon avis c'est le boss. Donc moi je vais m'arrêter là. On verra ça donc une prochaine fois pour le cinquième épisode et donc sûrement le dernier, voire même c'est sûr que ce soit le dernier parce qu'il me semble, attends, il me semble que genre tu montes, mec, il me semble que genre tu montes l'escalier et t'as le boss. T'as des cinématiques avec le boss. Enfin bref. Donc on verra ça donc une prochaine fois pour le cinquième épisode de Rayman 3. Donc je vous dis à la prochaine. Bye à tous.